Mon Dieu. Bien le bonjour les petits cailloux, c'est Pierre qui roule. On est encore en train de faire un thèse et test. Il y a Vampire Survivor qui est arrivé récemment sur le Game Pro de Microsoft Xbox. Quand on voit les graphismes d'entrée de l'accueil, on se dit que c'est encore un énième étron. Une énième bouse. Un énième jeu de merde du Game Pro. Eh bien, je pense que oui. Ouais. Oh là là là. Oh là là, on est en 2022 pour info, hein, pour ceux qui se demandent. Et on est sur Series X, la dernière console de Xbox, hein, la Next Gen, la génération up, 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 la super console, super performante. Et on joue à des jeux de... Oh putain, c'est quelle année ça, Master System? Oh là 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 là, quelle horreur, mais quelle horreur. Mais qu'est-ce que c'est que ces jeux de merde? Oh mon Dieu, ça me rappelle quand j'étais jeune, d'accord, mais quand même. Je reste sans voix tellement c'est de la merde. J'ai fait exprès de mourir. J'ai fait exprès de mourir, c'est bon. J'ai eu un succès, potion de merde. J'ai un succès, survivre une minute avec n'importe quel caractère. J'ai eu un succès pour ce jeu de merde. Oh là 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 là. Bon allez, on arrête. Hey, thèse et test, le meilleur, le pire de l'histoire. De tous les thèse et test que je fais, ce jeu a duré 3 minutes maxi. Au revoir. À plus dans l'Airbus, les jeunes. J'ai pas la peine de m'énerver hein, sur un type de jeu. Voilà. N'installez pas cette merde. N'installez pas ça. Perdez pas votre temps à installer ces jeux de merde. Allez.